Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie. Je l'adorerai, alors je danse.
fourrure immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance, ma détresse en une foi, mon désespoir en espérance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai. Échecs en sa puissance, Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force, tous mes chemins par sa voix, tous mes déserts en abondance, son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai. Dieu a tout changé. Il est bon pour toujours, éternel en amour. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant. Il est bon pour toujours, éternel en amour. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai. Dieu a tout changé, tout changé, tout changé. Tout changé.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu.
Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au monde la vraie lumière. Jésus, ton Fils, Fils de Dieu, tu t'es abandonné complètement à l'appel de Dieu et tu es devenu ainsi la source de la bonté qui jaillit de lui. Montre-nous Jésus, guide-nous vers lui, enseigne-nous à le connaître et à l'aimer, afin que nous puissions, nous aussi, devenir capables d'un amour vrai et être source d'eau vive au milieu d'un monde assoiffé. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Bonne Espérance, priez pour nous. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.